Ouais, bonjour, bonjour, je suis pas d'accord, Vincent, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi? Bah, parce que c'est une spéciale canine, super, super, mais regarde, j'ai la tronche d'un 101 dalmatien maintenant. La tronche du 102e dalmatien. Oui, bonjour. Salut, Rosa. Bonjour. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, tu es... T'es plutôt méfiante par rapport au gros chien ou... Non, je suis pas méfiante. D'accord. J'ai pas de chien, mais je suis pas du tout méfiante. D'accord. Alors, on va avoir de tout. On va avoir du chien gentil, du chien qui a l'air méchant alors qu'il est réellement gentil. Vous avez vu Laure tout à l'heure sur la bande-annonce, le gros Rottweiler. C'est un jeu pour lui de montrer les dents comme ça. Bon, il y en a qui comprennent pas aussi des fois que c'est un jeu. Hein, il y en a qui se prennent au sérieux. Mais dans l'ensemble, on va avoir plutôt des chiens sympathiques, sauf à la fin. À la fin, il y en a un qui... Un gros malinois, là, putain, en répétant, là, il m'est parti au cul 4 fois de suite. Moi, je serais vous, je regarderai la fin de l'émission. Hein. Le dernier candidat est... Allez, les candidats sont venus avec leur chien. Je vous propose d'accueillir les candidats de cette spéciale canine. Allez, Justine. Allez, c'est pas bien facile pour les chiens de marcher sur les grilles, là. Soyez le bienvenu. Allez, ma mémère. Allez, ma poupe. Non, descends par l'escalier, ça sera plus facile. Viens, ma fifi. Viens, ma mémère. Viens là. Oh, trop vite. Hop là. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Allez, les chiens. Nous allons jouer ce soir avec... Laurent. Laurent. Marie-Noël. Marie-Noël. Julien. Julien. Ici. Aurélien. Et Aurélien. Spéciale et qui dit émission spéciale dit voiture spéciale. Mais tout à fait, mon ami Vincent, voilà une magnifique voiture qui apparaît derrière le rideau et sa valeur est de 27 197 euros. Quelle petite ligne, bien sûr, qui est incluse dedans. Bien, je vais vous proposer, je vais vous garder avec Memen et puis les autres, vous allez filer chez Rosa. Allez, à tout de suite, emmenez-moi la marmaille là. Oh, c'est une bonne grosse mémère, ça. Oh, c'est... Voilà, tu es morte. Tu es morte. Pan, t'es morte. Tu bouges plus. Pas bouger, pas bouger. Pas bouger. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Non. Non. Alors ça, je sais pas le faire. J'ai essayé, Ça, c'est un truc que j'ai jamais pu. Vous me récupérez les... Non. Non, non, non. Et vous savez qu'on dit... on dit toujours... Si le pitbull est méchant, c'est que son maître est méchant. J'aurais des questions à vous poser, mademoiselle. Quel âge est là, ma mère? 8 ans. Elle a 8 ans. C'est quoi comme race à la base? Le Golden Retriever. D'accord. Alors, on va. Je sais pas comment on va faire, parce qu'on va faire venir un gros chien, un gros Rottweiler, qui s'appelle Lord, qui est le chien de Franck Gastambi, que je vais vous présenter, qui est un mec jeune et qui est. Vous allez voir, un mec comme ça, qui a fait des trucs comme ça. Et on va jouer au foot parce que le chien, c'est un gardien de but. D'accord. Bill. Vincent. En deux mots. Momo. Bonjour, Bill. Bonjour, mon ami Laurent. Il va jouer combien de temps et combien par but? Alors, évidemment, mon ami Vincent, il n'y a pas de temps. Il va tirer 20 fois donc 20 ballons. Et s'il marque un but, je donnerai 75 euros par but marqué. Merci. Gastambide et son Rottweiler Lord. Ah, gros pépère, ça. Franck Gastambide, qui est de profession dresseur. Voilà, tout à depuis... fait. Depuis quelques années. En fait, j'ai fait ça depuis que j'ai 12 ans. Et puis et on le lui cinéma doit. depuis quelques temps avec mon ami Frédéric Chauvineau. Donc Lord, vous l'avez retrouvé sur les rivières pourpres face à voilà. Jean Reno. Je voudrais juste aussi un petit peu dire un mot sur certains chiens qu'on va voir, à savoir le Rott et un Pitbull qui viendra aussi. À la fin, on a un jeu avec des Malinois que tu as également dressé, où tu nous as fait une très belle démonstration. Je voudrais qu'en deux mots, tu expliques bien qu'un caniche dressé comme un pitbull peut devenir aussi méchant qu'un pitbull, sachant que la morsure sera moins douloureuse. Oui, tout à fait. Mais je crois surtout que je vais répéter quelque chose qui a été dit des centaines de fois, à savoir qu'évidemment, c'est le maître et pas le chien qui est responsable des agissements. Ils ne naissent pas mauvais. Ils naissent avec une mâchoire plus ou moins
puissante. Ouais, tout à fait, mais cette mâchoire qui sert aussi, parce que les Rottweiler servent pour le sauvetage en décombres, ils sauvent des vies, parce qu'on n'a encore rien trouvé de mieux qu'une truffe de chien pour sauver des vies dans les décombres. Et voilà. Je voilà. Monsieur, t'as bien voilà. Démissifié. Franck Gastambide, on va en retrouver très longtemps, je pense, dans les milieux du cinéma. Tu restes avec nous, parce qu'il faut quand même contrôler Pépère. Il y a 20 ballons, oui. Vous posez le ballon sur le point rouge. Si Lord arrête le ballon, c'est paumé. Si le ballon passe, vous gagnez 75 euros. Il n'y a pas de temps. Quand vous voulez. Attendez. Lâche. C'est bien. Non, Justine, tu joues pas, toi. Allez. Et ça, Lâche. Voilà. Je suis en train de nous faire un... Attendez. Lâche. Tu me fais faire du pognon avec tes chiens, là. Justine, là j'y mets pas la main, moi. Tu la prends pas le collier. Oui. Voilà. L'autre il dit ramène-moi la copine là. Le dernier, très bien. Lâche. Ah, dommage. Deal. On va faire un deal, parce que... Et t'es de mâcher avec lui ou quoi, là? Je te couille. T'es de mâcher avec lui ou quoi? On s'arrête ou on continue? Oui, parce que là, nous sommes à 525 euros, quand même, hein, déjà. Allez, le rideau. Je suis venu pour participer. On se lâche? Allez, on se lâche. Regardez, j'avais derrière le rideau. Et c'est fort bien joué. Vous allez en voir des chiens au Canada. Avec la personne de votre choix au Canada. Oui. Vous allez faire un circuit merveilleux, extraordinaire. Le Canada, c'est génial, top de chez Chouette. Ça vaut 2812 euros. Très bon deal. Vous filez chez Rosa, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. La laisse, je sais pas. Ah, ils vous ont trouvé la laisse, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle est partie derrière, on va vous la restituer. On va toujours rester avec les chiens et maintenant on va jouer avec des chiens célèbres. Et pour ce, je vous propose d'accueillir qui donc, Rosa? C'est dans quel état chez toi? Mais ça va, tout se passe bien. Je suis entourée des très beaux chiens. Ils sont calmes, hein? Ça va, ils font pas de bruit, ça va, ils sont très calmes. Alors Vincent, je te présente ici à ma droite Marie-Noël. Tu vas l'adorer, très bonne vivante. Elle est mariée, elle a un enfant, son mari est là, elle est élévore canin. Elle a 30 chiens Sologne. Et pas seulement des chiens, des vaches, des moutons, des chevaux, tout. Elle en a tout. Il faut des moutons pour nourrir les chiens. C'est une passion. Elle arrive, elle va te raconter tout ça. Marie-Noël. Allez, mémère. Quand je dis allez, mémère, c'est au chien que je me perds. Non, Marie-Noël. Bonsoir, Marie-Noël. Ça va bien? Salut, merci. Merci. Ouais, bon. Quel âge elle a, merci? 5 ans et demi. Ah, la bonne heure. Vous élevez quoi comme chien? Boxer, Boston Terrier, Bulldog Anglais, Scottish, Westie et York. Ah ouais, New York aussi? York aussi, on passe du gros au tout petit. On commence. D'accord. On va jouer avec des chiens célèbres. C'est ça, Bill? Non, pas vraiment. Ouais, ça. Nous allons jouer à découvrir des races. Ah oui, puisque vous êtes éleveuse, eh bien, on va vous faire découvrir des chiens, les yeux bandés. Et il va falloir me donner... remarquez, c'est facile, hein, si c'est un Saint-Bernard, il y a peu de chances de dire un Yorkshire. Vu que le Yorkshire, vous connaissez. Alors, je vais prendre Myrtille. Elle est gentille, mais je vais la donner à ma secrétaire, qui est également un chien gentil comme tout, qui s'appelle Poncho. Et grâce à lui, j'en suis à ma 14e paire de pompes. On voit qu'il vous aime, le chien, parce qu'il a bavouillé un petit peu, hein, quand même. Hein. Je vais vous mettre un bandeau sur les yeux. Et Bill va nous dire comment ça va se passer. Alors déjà, première chose,
Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir, Bill. Voilà, bonsoir. Deuxième chose, vous allez avoir 10 secondes pour reconnaître les yeux bandés. Et c'est là le grand intérêt de ce jeu, la race des 5 chiens que nous allons vous proposer. Voilà, okay. Voilà. Marie-Noël, tournez-vous un tout petit peu. Et je vous propose... Alors, évidemment, le public, vous soufflez pas, sinon c'est pas rigolo. Hein, sinon, c'est pas le jeu. On souffle après les 10 secondes. Après 10 secondes, on a le droit de souffler. Et je vous propose d'accueillir le premier des 5 chiens. Salut Léa. Tu montes là? Ouais. Allez, vas-y. Allez, Kumba, viens. Comment il s'appelle? Kumba. Kumba. Ah ouais. Ouais. Là, il y en a pour 8 jours à monter les escaliers. Hein. Allez, vas-y, mon gros. Pattes. Voilà. Ben, ne dis rien. Voilà. Amène-le ici. Oh. Oh. Déjà, autant qu'il a mis pour monter sur le truc, on sait que... Viens ici, là. Kumba, viens voir papa. Viens voilà. Là. Viens voir là. Viens là, mon gros. Voilà. Hop. Voilà, il est là. 10 secondes. Oh, c'est un ticket. Non, il a les oreilles trop longues. Ah non, puis il est c'est gros. C'est un cocker. Un cocker. Non. Il a les oreilles tombantes. Là, ouais. Enlevez votre bandeau, regardez. La gueule du cocker. Oh, c'est un fauve. Moi, je vois bien Colombo avec le cocker. Bon, allez, Tumba, c'est bon. Ouais. Attends, tu vas voir. Attends. Je crois qu'il va faire ça, oui. Allez, file. On s'est perdu. Allez, remettez le bandeau. Et on amène le deuxième pépère. On dirait un teckel gonflé à 8 kilos, mon pote. Elle est où, la tête, là? Ah, elle est devant, forcément. Viens là, mon gros. Viens là. Viens voir, papa. Oh, c'est gentil, le chien. Viens voir, là. Viens, mon pépère. Viens là. Voilà, approchez-vous, il est là. C'est pas facile, hein. Voilà, ça, c'est la tête. Oh, ça, c'est de l'anglais. C'est un quoi? C'est un bulldog anglais, ça. Un bulldog anglais? Oh, oui. Enlevez votre bandeau. Ah, oui. C'est gagné. Eh oui, excellente réponse, 300 euros pour le petit Marie-Noël. Oh, ça pue la gueule. Oh, ça chmoute. Ah, oui. Wow. Il a peut-être mangé un gigot à l'ail. Allez, on est venu avec le petit modèle, là. C'est le plus petit de tous. Là, plus petit que ça, il n'y a pas. Allons-y, les filles. Allez. Voilà. Un éléphant. C'est parti. C'est pas les joues de ma belle-mère, hein, je vous rassure. Hein. C'est bien un chien. Hein. C'est le roi tout le mastiff. Allez, vite un nom. Ça, les babines qui pendent trop, c'est un dog de Bordeaux. C'était un matin de Naples. Un matin de Naples. Ça se ressemble, hein. Ouais. Mais le matin de Naples a le pli encore plus lourd. Ouais. Voilà. Bonjour, toi. Et il s'appelle Peterson. Patterson. Salut, Patterson. Bon. Allez, rentrez. Faites gaffe à pas partir en ski nautique, hein, les filles. Hein. Allez, Patterson, je vous renvoie une blow. Viens, mon chien. Viens. Il a peur des gâteaux, dis donc. Voilà. Attendez, non, faut pas tirer, faut pas y faire peur. Attends, pardon. Viens là, mon père. Allez. Où est-ce qu'il a la trouille? Viens. Attends, je vais le pousser. Attends, je vais pousser derrière. Viens, Pépère. Non, là, il y a une trop grosse marche. Oui, un mon gros. Voilà. Allez, hop. Attends, tu sais quoi? Voilà. Tu vas lâcher. Allez, viens. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, viens. Allez, Peterson, viens. Allez, on y va. Patterson, viens. Allez, les chiens. Bon. Vous savez quoi? Il est bien là, il va rester là. Hein? Bon, alors, il en reste deux. Deux à découvrir. Soit vous prenez les deux derniers, soit vous l'arrêtez, vous prenez le rideau. On prend le rideau.
Eh bien, voilà ce qu'il ne fallait pas faire, vous y aviez des chiens. Pour de vrai, vous avez un chien pour de faux. Et une belle peluche de toutou. 56 euros. Je vous propose de récupérer une myrtille au passage et de savourer votre plaisir et de venir nous retrouver tout à l'heure pour le Big Deal. Merci à vous. Bon. Si tu veux, nous, on a peut-être tu baves un peu là, parce qu'on a Aspé qui va venir. Donc nous, on va faire le top 3. Rosa, ma chérie, est-ce que ça sent bon chez toi? Parce qu'à Naples, ça pue, hein, surtout le matin. Pas trop, hein. Pas trop. Mais je vais m'en sortir. Alors Vincent, je te présente Julien. Julien, il a 25 ans, c'est un passionné aussi des chiens, bien sûr. Sa profession n'a rien à voir avec les chiens, il n'est pas éleveur, mais il est venu accompagné de sa chienne qui s'appelle Enza, et il est venu accompagné aussi de sa belle-mère, je crois qu'elle est dans le public. Il est technicien hotline, et il arrive avec Enza. Enza. Julien. Allez, Pépé. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Bonsoir, public. Bonsoir, ville. Bonsoir, Julien. Enza. 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 Allez, viens. Ah, Fifi. Allez. Oh, tu es de ma mère. Oh, tu es de ma mère. Bah, non. Oh, j'ai une grosse Fifi, ça. C'est ce qu'on appelle le pitbull. Le pitbull. Une pite. Comment elle s'appelle, Enza? Enza. Oh, j'ai une Fifi, ça. Oh, j'ai une Fifi. Alors, ça... Enza? Enza? Bon, tu fais le tour du proprio. Si ça te plaît, tu signes 3 ans. Hein. Quel âge elle a? Elle a 3 ans. Elle a, ben voilà. Voilà. Elle a déjà fait des pieds, non pas encore? Non, elle a fait une grossesse nerveuse il n'y a pas longtemps. Oh, elle nous a fait une grossesse nerveuse, ma mère, il est parti alors? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? On va jouer avec le top 3. Notre ami Aspé nous a préparé des musiques ayant un rapport, je pense, quelque part au deuxième ou au troisième degré avec les canines, les canins. Je vous propose d'accueillir l'ami Aspé. Plomb ce soir, salut! Ça va, Vincent? Aspé, sois ça dans bien? La bête! Tranquille? Bien, je te présente Julien. Julien? Salut Aspé, Belek, Belek, yo! Belek, man, yes! Je te présente Enza. 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 Les fifnettes, elles sont en bête de yinche là, y'a ça, les filles! Bill, on te voit pas là, qu'est-ce qui se passe, fripouille? Oh, salut, tu vas mettre la super vibe ce soir, Aspé! Elle est vachement indépendante, hein. Ah ouais, elle a fait sa vie, hein. Puis alors, vous êtes pas là, c'est pareil, hein. Alors, en vibe, Senza, elle parle partout. Bien, on va avoir une petite démo Flyos, histoire de savoir si vous entendez bien. Puis après, on vous explique la règle du jeu que vous connaissez, ça. Démo de groove à la Yes, c'est type par les loustiqueurs. Les morceaux que tu as choisis, il y a un rapport quelque part non, avec le chien? Non, pas trop, non. D'accord, il y a un truc important, c'est qu'il n'y a pas de rapport avec le chien. C'est un top 3 commun parce que tu aurais quand même pu trouver le... Vous avez Mirza. Ouais, j'ai pensé à faire quelques trucs, je suis à cette galère, un Tintin, tout ça, ouais, c'est tendu. Ouais. Ça va être chaud à trouver. C'est galère. C'est galère, ouais. C'est galère. C'est galère parce que ça me saoule. Toi, Vas-y, Aspé, mets la purée, vas-y. Moi, je te mets la purée, il n'y a pas de problème. Hey, chauffe la salle. Ah, vous si vous pouvez. Ah, les femelles peuvent prendre des chiots. Bah, les mâles. Non, voilà. Oh, Dieu, ma mère. Oh, j'ai du pouponné, ça. Pardon. T'arrêtes. Oh, j'ai... Super, les pompes. Bien. Top. À partir de maintenant, vous avez 15 secondes pour me donner un titre en français et au mot près. Si c'est étranger, vous me dites ce que vous voulez. Il faut me donner la réponse intégrale. Non, il faut au moins donner le début de la réponse avant le gong final. Aspé, vous ne regardez pas le public. Allez, c'est Tipa. On est en... Don't watch that. Don't watch that. Watch this. Jennifer Lopez et Ja Rule. Jennifer Lopez, yes, I, Ja Rule, yes. Bien joué, bien joué. Et il y avait aussi un groupe de... Madness. Ta, ta, ta. What?
step beyond. Ouais, ça c'était au début, il y avait une voix, ouais. Ah, on aurait pu dire one step beyond. Ouais, ça aurait pu. C'est gagné. Ouais. Allez, choisissez. Elsa. Alors. Elsa. Oh là, ah, rien à foutre, elle fait sa vie. Hein. Allez, choisissez. Lequel? Viens là. Allez, on pense quelque chose. Le bleu. Julien, le bleu. Et bien voilà, c'est gagné. C'est magnifique. C'est un kit de téléphonie avec un étui portable. C'est magnifique. C'est en fait un agenda électronique de toute beauté. Et ça vaut quand même 850 €. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Allez. C'est merveilleux. C'est beau. Julien, deuxième morceau. Enza, tu restes là. Allez, Julien, là, je t'emmène en enfance un petit peu. On va voir si tu te souviens de ça. Il était né dans le Les ténés dans le Tennessee. J'entends pas. David Croquet. T'as sûr, Julien? Chantal Goya. D'après le célèbre titre de Walt Disney, bien évidemment. Au début, c'était il était né dans le Tennessee, il a entendu le refrain de David Croquet. Allez, le rose, le jaune, le rouge. Quel? Le rose. Le rose, Julien. Oh, j'ai fou, pardon. C'est la boîte of Shy. Vincent, c'est la boîte of Shy. Alléluia. Et vous savez que chien touché, chien adopté. Hein. Ah bah, on prend, on garde. Hein, bah oui, ouais, contente ta fifi à toi. Alléluia. Bien. C'est la boîte à Shy. Allez. Alléluia. Si vous trouvez le troisième, vous gagnez le grand chelem. Cheese Miss California. Cheese Miss California. Dans cette ambiance. Bah lui, c'est donne la réponse qu'il a gagné, il a choisi. Il déchire. Miss California. Miss California. C'est gagné. Dans et là, la promesse est collée. Alors, puisqu'on a tout gagné, le jaune. Mais le plateau de mille, une très jolie lampe. Oui, c'est une très jolie lampe, puisque c'est un chien très très célèbre, puisqu'il s'agit de Droopy. Il est toujours heureux, Droopy. Et ben ça, mine de rien, ça vaut quand même 59 €. You know what? I'm happy. Hein? Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé pour la vie, Vincent? Qu'est-ce qu'il a fait? J'en rêvais, Vincent Lamy. Ça va, non, Willy? Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? C'est le pantalon. Il m'a attrapé délicatement, il m'a serré dans ses bras, il m'a embrassé et tout, là. J'ai pas bien vu, il peut le refaire. Comme quoi, tu vois, hein, on dit, ouais, le pitbull, c'est un chien de macho et tout, machin. Monsieur est très délicat. Allez. Oh, dites-moi, de quoi j'ai pas pogné. La pauvre. Pourquoi la pauvre? Elle a peur. Ah, maman, regarde, c'est le premier chien surfeur. Attention, bouge pas, ma mère. Ah, pas peur. Là, elle est en train de se dire, putain, mais c'est quoi ce monde où je suis tombé, là? Et vous partez à London. Regardez les images, Julia. Voilà ce qui vous attend, London. Le touch of the British taste. Big Ben, les impériaux. Enfin bref, une des plus belles villes du monde. 2499 € pour 4 jours avec la personne de votre choix. Elle est pour belle la vie. Bien, grand chelem ou rideau? Il y en a pour 3408 € sans compter de la boîte de chocolat. Plus de 3000 € sans la boîte. Bah, je vais écouter ma tante et ma mère. Bah, je vais prendre le rideau, hein. Je suis venu pour jouer. Hein. C'est la totale, hein, pour jouer pour plus de 20 000 balles. Hein. C'est pas grave. Pas grave. Putain, comme quoi, quand t'es passionné par ton chien, tu oublies tout. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un plateau de télé où il y a beaucoup de pognon à gagner. C'est la fête ce soir. Allez, rideau.
La teuf. Eh bien, vous avez gagné ce magnifique fauteuil IFI stéréo. Oui, c'est une superbe exclusivité du Big Deal. C'est-à-dire que... C'est un fauteuil chaîne stéréo. Voilà, exactement. Vous mettez vous dans le fauteuil, la musique arrive. Avec le chien sur les genoux, ils avaient la zikmu dans les oreilles. C'est impeccable. Non, oui. Ça va bien le faire. Et il y en a pour 3 732 €. Ce qui est encore mieux que ce que vous aviez gagné. Voilà, la boîte à clé. Julien, merci de nous avoir ramené une si gentille chaîne. Salut Julien, salut Enza, à tout à l'heure. Les filles, merci de votre visite. Aspect. Aspect. On revient demain. Alors, éclate-toi bien avec les chiens. Salut tout le monde. On a vu un chien qui savait jouer la comédie en montrant les dents sur ombre. On a découvert différentes races de chiens. On a eu le top 3. Et avant la pub, je vous propose de jouer avec des chiens célèbres. C'est maintenant. Et pour ce, Rosa. Alors Vincent, je te présente Christine et Rambo. Il a pas l'air comme ça, mais il est très costaud. Il faut faire très gaffe avec lui sur le plateau. Alors, Christine, elle est mariée. Elle est venue avec son mari et leur fille de 8 ans. Elle est gérante toiletteuse depuis 16 ans et elle changerait son métier pour rien au monde. Oui, j'imagine. Christine. Christine. Allez, Rambo. Hé, hey, Rambo. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Ça va bien? Mieux. Combien on en fait? 4, 5? 4. 4, allez. Je salut, Rambo. Je peux faire un bisou à Bill? Je vous en prie, moi. Salut, mets-vous toute seule, hein, pas Rambo. J'ai trop peur. Bonjour. Cela dit, ils sont bien tous les deux, hein, quand ils partent. J'ai emballé, moi. Rambo. Rambo, au pied. Rambo, au pied. Rambo. Il a eu peur. Quel âge il a, ce York? 7 ans. 7 ans. Rambo au pied. Colonel. On va jouer avec les chiens célèbres. Il est dressé, hein. Et dans la voiture, vous le mettez sur la plage arrière et il bouge la tête. Parce que le tout petit, l'avantage, c'est que je l'accrochais au rétroviseur, moi. Allez. On va avoir 4 chiens qui vont arriver. Et comment ça se passe, Bill? Eh bien, nous allons donc montrer à notre amie Christine ses 4 chiens et ensuite nous allons vous faire une proposition, 3 propositions d'un film dans lequel ce chien a... Ben, laisse-moi bon jouet. T'as pas mal? Va chercher la bobe. Trop gros. Trop gros. Apporte. Va, apporte la baballe. Donc, mon ami Vincent, 3 propositions de films et Christine devra trouver le bon film. Ok, voilà. On est parti. Amenez-nous les chiens, s'il vous plaît. Alors, vous avez ici 4 chiens, et dans l'écran, pour chaque chien, on va vous donner 3 propositions. À vous de trouver, car ce sont des chiens comédiens, ce sont les chiens qui ont tourné dans le film, hein, je crois. Hein. C'est tout ça, à fait, je confirme. C'est pas des chiens de la même race, c'est le chien qui a eu ce rôle. D'accord, donc ce sont les chiens comédiens. Oui, Margot, tu es gentille, ma mère. Oui, d'accord. Margot, le petit fox, regardez ce qu'on vous propose. À votre avis, on l'a vu dans... Le goût des autres, l'amant ou Astérix? Alors ça, moi j'ai vu aucun des 3 films. Si, Astérix, mais oui. À moins qu'il fasse idée fixe dans Astérix? Non, je crois pas. Ça me dit rien. Il faut en donner un quand même. On en prend un au hasard alors. Astérix. Astérix. On dit Astérix. C'était le goût et non, c'est dans le goût des autres, le film de Agnès Jean, oui, oui, tout à fait. Avec Alain Chabat. Oui, et Jean-Pierre Batry. Bien, on a paumé le premier. C'est quoi ça? C'est un caniche. C'est un jouet. Jouet, d'accord. Bien. Okay. Jouet, bien. Jouet bien vu. Tu l'as bien vu. Alors, Jouet a tourné dans Ripou contre Ripou, Mon père ce héros, La Gifle. Ouais, La Gifle, il est mort le chien, mon ami. Hein. Et vous avez 10 secondes. Alors, Ripou contre Ripou. Ouais, d'accord. Mon père, ce héros. La Gifle. Il y en a beaucoup non. Qui... C'est au hasard, hein. Donc on reste sur Mon père, ce héros. C'est Mon père, ce héros. Moi, j'aurais dit Ripou contre Ripou. Vous dites Mon père, ce héros. Ah, mais de toute façon, le gong a sonné. Hein, le gong a sonné, voilà. Hein, je prends la réponse de Christine. La réponse numéro 2, Mon père, ce héros, et c'était... Et j'avais gagné. Et non, c'était Ripou contre Ripou, c'était le fameux petit chien de Jean Benguigui. Benguigui.
Bon, oui, alors, il nous reste celui-là, là-bas, qu'on est à peu près sûr de découvrir. Soit on en prend deux de plus, soit on s'arrête là, on prend le rideau. Ah non, pas de rideau, Vincent. Ah, il n'y a pas de pas rideau de intermédiaire ba... Et non, pas de bonne réponse, ah ben pas oui. de rideau intermédiaire. Vous n'avez pas droit au rideau intermédiaire, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse. Bien sûr, oui. Donc on regarde ce qu'il y avait derrière le rideau. Et on prend les boules, car elle était là. Elle était là, la voiture à 1680 euros. Mais Christine, pas de panique. Levez la main droite et dites au revoir, la voiture. Ou prenez-la en photo, car vous ne la verrez plus. Allez, alors on a vu ce labrador dans... Un air de famille, la boum, mission impossible. Alors dans Un air de famille, il y avait un vieux labrador qui était mourant sur un fauteuil. Dans la boum, je sais pas, mission impossible, je sais pas. Un air de famille. Un film excellent. Alors Un air de famille, moi j'ai adoré. Un air de famille, c'est gagné. Eh ben oui, tout à fait. Eh ben oui, on le voit le chien. Le chien qui est mourant sur le fauteuil. Bon. À votre avis, comment il s'appelle et on l'a vu où? Snoopy. Et on l'a vu? Je sais pas. Bossu. Allez. Bon, regardez. Monte Cristo, Cordier, jugé flic, Laura l'appel. C'est Laura l'appel. Ah, oh, Laura l'appel, oui. Belle aventure qui m'a permis de mettre le pied dans la télévision. Et du coup, bah, j'ai une petite pensée. Gabriel aura la même pour la copine Sabine. Il nous regarde d'en haut. Snoopy! Snoopy, alors! Bien! Alors, ça nous fait, mon ami Vincent, quand même gagner. On revient de très loin. 350 euros multipliés par 2, 700 euros. Que vous pouvez garder, que vous pouvez rejouer. 700 euros. La petite puce. Ça fait un coup à 5000 balles, ça, à peu près. Un peu moins. Alors? Le rideau. Vox Family, Vox TI, mais c'est une erreur. C'est une grave erreur, car vous avez gagné des magnifiques cravates avec un toutou, monsieur. Une cravate qui ne manque pas de chien. À 35 euros. On va se quitter quelques instants pour des réclames, et ensuite on va jouer avec des malinois. Et vous verrez que le dressage est efficace dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens quand il s'agit de mordre, et dans un sens quand il s'agit de lâcher. Je vous en dis pas plus, c'est très spectaculaire, on se retrouve après la pub. On est de retour sur le plateau du Big Deal et je vous invite à un jeu, parce que c'est un jeu, hein, on parle vraiment de jeu. On va voir ce qu'un chien de haut niveau, car ce sont des champions, est capable de faire dans le dressage. Voilà, tout à fait. Donc là, le candidat, il n'a pas de casque, il n'a pas de gants. Il a des petits gants juste au cas où il tombe, parce que ça va vite. Parce qu'il va tomber. Voilà, il y a de grandes chances. Mais hormis ça, il n'y a vraiment aucun risque. Ils sont complètement fixés, je peux vous dire, même à l'endroit pile où ils vont mordre. Donc c'est vraiment un sport, c'est des athlètes. D'accord. Et on prend aucun risque. Et pour ce, je vous propose d'accueillir notre cobaye Aurélien. Aurélien, merci Bill. Aurélien. Déjà les chiens plutôt doux. Bonjour Aurélien. Franck Castorvide et Amour. Orly et le Duc. Le but du jeu est très simple, vous allez partir de cette ligne et au premier coup, le chien partira juste derrière vous. Le but du jeu est de réussir à franchir la ligne d'arrivée avant que le chien ne vous ait mordu. Si vous n'y arrivez pas, on recule le chien de 5 mètres. D'accord. Vous avez deux tentatives avec le gros pour la première partie du jeu. Il faut impérativement réussir une fois pour accéder au rideau intermédiaire. D'accord. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Excuse-moi, Vincent, je voulais juste dire à notre ami Aurélien deux petites choses. La première, c'est 300 euros s'il arrive vivant derrière la ligne. Vivant, hein, c'est important. Hein. On est prêts? Amour, Aurélien, prêt. 3, 2, 1, go! Mais je crois qu'il a été mordu juste avant de franchir la ligne. J'espère que tout le monde a constaté, au dixième de seconde, il a entendu le coup de sifflet, il a lâché. C'est pas facile de se relever avec ce truc-là. Hein. C'est bon, il vous a chopé un mètre avant la ligne. Normalement, en partant 5 mètres plus loin, on a bon. On est prêt, Amour? 3, 2, 1, feu! C'est gagné!
C'est joli. C'est bien gagné pour la trappe, Aurélien. Ça va, Aurélien? Impressionnant, hein? Ouais, c'est... Quand ça se jette sur vous, il y a 40 kilos qui arrivent à 40 km/h. On se demande quand est-ce que ça va arriver. Ouais, mais on cherche pas en cours. Ah ouais. Vous avez réussi une fois sur deux, ce qui fait que vous avez remporté, Bill... 200-300 €. Vous avez maintenant la possibilité de vous arrêter ou de reprendre, de lâcher de chien, sachant que le chien qui va vous partir après est la femelle, qui s'appelle Orly, qui est plus jeune, plus légère, un peu moins expérimentée, mais vachement speed. Je continue pour le jeu. Pour le jeu. Ouais. Bien, alors Bill, on décide d'aller jusqu'au bout et on regarde ce qu'il y a derrière le rayon intermédiaire. Eh bien, regardez bien et prenez un tout petit peu, ben, un tout petit peu les bouts là. Ce n'est qu'une jolie chaîne Wi-Fi stéréo avec des jolis CD stéréo à un prix de 450 € de voilà. Stéréo. Voilà. Vous repartez de la ligne de départ. Il y a aussi un petit détail, c'est que vous avez déjà couru deux fois avec ce truc qui est hyper lourd et pas fait du tout pour courir. Vous fatiguez un petit peu. On va mettre Orly sous les ordres, amour. Et c'est Franck, c'est la même chose, hein, même punition. Ouais, c'est plus rapide. Attention, ouais. C'est plus rapide. On est prêt, amour? 3, 2, 1, go! Oui, là, c'est évident. Là, c'est au doigt et à l'œil. Un petit coup de main, peut-être, non? Voilà. Bon, là, on a raté. C'est la dernière tentative. Elle est beaucoup plus rapide. Allez. Je vais me jeter, là. On recule. Orly. On recule, amour. Recule. Amour, c'est bon. 3, 2, 1, go. Orly. Allez, on y est. Oui. Ah oui, joli parade. Très joli parade. C'est gagné! Superbe saut du jour de l'ange, voire c'était le chant du cygne d'Aurélien. Franck Astambide, merci beaucoup merci d'avoir beaucoup. Été avec merci nous. Merci à tous les gens qui sont venus. Amour, avec moi merci aussi. D'avoir prêté votre concours. Merci de nous avoir donné une vision des chiens que l'on n'a pas l'habitude d'avoir. Allez, on se retrouve sur le plateau. Salut Castambide, à bientôt. Ça manque pas de chien l'émission, hein. Non mais bravo, mais tu l'as déjà sorti. Je vous rappelle que nos amis candidats finalistes de Victil ne repartent pas les mains vides. Non. Ils repartent avec l'abonnement de 1 an au magazine Télé Loisirs. Bonjour mon ami, comment tu vas? Ça va? T'as la patate, hein? T'as vu? Tu as mis en Dalmatien. Ça l'a fait fuir. Enfin, bonjour mon petit chien. Enfin, en attendant, grâce à lui, notre ami Télé Loisirs, cette fois c'est vous, bougez pas. Vous pouvez gagner un séjour thermal à Dax pour 4 personnes. Oui, tout à fait, c'est possible. Voilà, c'est... Oh, c'est joli, Dax, cette saison. Enfin, voici pour la liste. Je suis le surnom de New York. C'est facile, vous avez trouvé. Pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre réponse sur bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui s'affiche juste en dessous de moi. Là voilà, voilà, elle est très belle. Tu es belle, mais je dois présenter une autre adresse. Oui, je suis désolé, donc tu files dans ta chambre. Et file, voilà. Oui, vous savez, mes amis terriens, c'est quelque chose de très très important. Vous pouvez nous envoyer des blagues, des sketchs, des petits films vidéo, oui, oui, pour nous faire rire. Et puis, et si c'est drôle, on les passe, je vous promets. Moi, Bill, premier, je vous le jure. Nous les passons à Big Deal, à Big Deal, à tf1.fr. Voilà, elle est pas belle la vie, elle est pas compliquée, elle est cool. Et y en a un qui est très cool, hein, c'est mon ami Vincent Lacoste. Bon. Est-ce qu'en régie, on aurait le dernier run de Julien? Aurélien, pardonnez-moi. Allez. Et là, vous l'avez juste derrière l'oreille. Hein. Bon. Alors, vous avez accès au rideau avec vos combien 600 €? Tout à fait, monsieur Bastard. 600 €? Oui. Bon, on va t'en faire les deux. Vous êtes tous joueurs aujourd'hui. Hein. J'aime bien les peluches. C'est vrai. Alors, rideau.
Eh bien, c'est une belle pluche, mais de 50 cm cubes, puisque c'est un quad. Un quad d'une valeur de 2 194 €. Elle est pas pour la vie. Avant de lancer le Big Deal et de terminer cette émission spéciale canine, je voudrais rendre un hommage et je voudrais qu'une caméra, s'il te plaît, vienne nous faire un plan sur ces magnifiques petits chiots qui nous ont été prêtés par Elina Mercadet et qui viennent de l'élevage du Repère des Aigles. Voici le Big Deal. Attention, gare aux têtes, il va aller très loin et très fort en première position. Julien qui part avec un magnifique fauteuil stéréo à 3 732 €. Laurent est deuxième, il part au Canada à 2 812 €. Troisième, bien fantastique, pas de loin, mais presque prêtre. Aurélien voilà. Avec un coin de 2 594 €. Quatrième, Marie-Noël avec 56 €. Et enfin, Christine qui a un chien magnifique à 35 €, donc avec une belle cravate. Marie-Noël est avant-dernière, elle n'est pas dernière. Il est où, Marie-Noël est avant-dernière. Aurélien, il est où? Aurélien, il est troisième. Ah, c'est bien. Vous savez que c'est une émission spéciale. La tradition veut que l'on montre la voiture une fois avant l'émission. Et puis une fois aussi avant de savoir si on rejoue ou si on rejoue pas. Oui, c'est une superbe voiture, un superbe 4x4, comme vous pouvez le constater, 27 197 €, merci Vincent. Ça fait plus de 100 000, hein. Bon, oui. Julien, il y a deux écoles, hein. Ou vous jouez en vous disant « je suis là pour jouer et qu'importe le gain, je veux jouer », soit vous vous dites « ce que j'ai, c'est déjà pas mal », il y en a qui ont eu moins de chance. C'est les deux écoles, ici on fait ce qu'on veut, c'est le Big Deal, c'est une émission de jeu. Je vais rejouer. Vous rejouez. Désolé. Navré, c'est le jeu. Marie-Noël, je sais que vous avez passé de toute façon un très bon moment. Je vous embrasse et merci de donner autant d'amour à vos chiens. Il est où votre salon? Dans quelle ville? Livry-Gargan. J'aimerais bien embrasser mon fils qui a 3 ans. Mon petit Qui s'appelle? Jonathan. Salut Jonathan. Vous ferez du quoi cet été? Expérience, ouais, très bien. Vincent. Et puis, bon voyage au Canada. Et que vous me refaites aussi rire que quand je vous ai vu à Paris en train de descendre les escaliers avec les skis, c'était super. Gymnase, théâtre voilà. Maribel. Ah oui, 7-8 ans, hein. Alors, mon gars, on va y aller, hein. Gabriel Coteau, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse d'éclairer ce tableau? Le dalmatien de la sœur, le chat du frère, le nœud papillon de la mère. Un chien, un chat... Une surprise. Qui prendrait la mère? Le frère? La sœur? Qui repartirait bien avec un des petits chiens, là? Eh, vous savez pas dans quoi vous partez, là. Je vais éliminer le frère, c'est le gros matou là. Ouais, c'est le matou. Je vais éliminer le matou. Ouais, le matou il va bégère. Allez, reviens, ziba, diable, Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait mon petit frère? Il est super cool. Ouais, et en plus, il va vous mettre dans une situation embarrassante car vous venez d'éliminer l'ordinateur portable à 1 457 €, c'est-à-dire que là, c'est tout ou rien en gros. Hein. Voilà. Hein? Regardez, il reste la sœur, il reste la mère. Qui prendrait la sœur? Qui prendrait la mère? La sœur. La sœur. La mère. La mère. La mère. La sœur. La sœur. Eh, venez. Non. Si, mettez-vous à côté, mettez-vous à côté de Lynn, vous allez voir. Non, je viens pas. Mais si. Non. Ça va être dur, mais ça peut être aussi. Un indice, peut-être. Un indice, peut-être. Très bien. La voiture est à gagner. Bien. Allez, on garde la mère ou la sœur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Alors, vu que j'ai fait beaucoup de mal à ma mère auparavant, je vais prendre la mère, en espérant que je lui fais un bisou. Vous êtes un repenti. Ouais, j'en ai vraiment besoin. D'accord. Il y a un début à tout. Hein. Vous avez donné une bonne image à la télé, maintenant il faut la garder, cette image-là. Regardez en prenant
La mer. La mer. Bastard. C'est tout ou rien. C'est la voiture ou la botte de poireau. Ouais. Bah, la mer. La mer. Repenti veut dire pardon et je vous pardonne, car vous allez avoir besoin de me pardonner, cher ami, car vous venez de perdre la voiture. C'est un os d'une valeur de 21 euros. Eh oui. J'ai bien fait de pas monter dedans. Désolé. Ça pour ma chienne. Cette voiture restera chez nous. Bon retour. Salut à vous. Allez, encore bisous et mort de rien. Bah tiens. Salut ma belle. À tout bientôt. Salut le chien. Salut les filles. Merci encore une fois à notre ami Franck Castanville, Dame Elena Mercadet. Merci pour ce chat, merci pour tout et merci à tous les gens qui aiment les animaux. Salut toi mon bonhomme. C'est pour moi ça. Merci beaucoup. Merci les copains. Salut Bill. À bientôt.